matin, le témoin RMC. Il est 7h10 sur RMC et RMC Découverte. 13 personnes sont jugées à Paris depuis hier soir pour avoir harcelé et parfois menacé de mort Mila, cette jeune femme qui avait donc critiqué l'islam dans deux vidéos datées du 28 janvier et du 14 novembre 2020. 9 personnes qui ont pour le moment été entendues hier, dont les 4 autres qui seront entendues aujourd'hui. Maxime Lévy, vous étiez à cette première journée d'audience. Près de 14 heures de débat, ça s'est terminé très tard hier soir. Et c'était en présence des parents de Mila. Oui, le père de Mila était effectivement présent. Il n'a pas pris la parole, mais il n'en était pas moins expressif à chaque déclaration des prévenus. On pouvait le voir trépigner sur son banc. Il ne supportait pas leurs justifications. Ensuite, la mère de Mila a été entendue pendant plus de 2 heures. Sa première intervention publique depuis le début de l'affaire, il y a 1 an et demi. Elle commence en déclarant « Le ciel nous est tombé sur la tête. Il s'agit d'un cataclysme ». Elle raconte que Mila vit désormais dans une grotte, dans un autre monde. Sa maman ne parvient malheureusement pas à envisager un avenir pour sa fille sous protection policière permanente. Questionnée à de nombreuses reprises par les avocats de la Défense sur ce qu'elle pense des publications de sa fille, la mère de Mila dit que ce sont des vidéos d'une personne poussée à bout. Pour elle, interdire à Mila d'aller sur les réseaux sociaux reviendrait à interdire à une femme qui se serait fait violer de sortir dans la rue. Elle rappelle que c'est sa fille la victime et non l'inverse. Elle l'assure qu'elle lui coupe ou non les réseaux sociaux ne change rien. Le flot de menaces de mort et d'insultes n'a jamais cessé depuis janvier 2020. Et Mila elle-même s'est également exprimée hier à la barre. Oui, et pendant plus de 2 heures et demie, dont elle est ressortie épuisée, elle estime que sans les réseaux sociaux, elle serait morte intellectuellement aujourd'hui. Elle le rappelle, on m'interdit d'être scolarisée, je ne peux plus travailler, je n'ai pas d'avenir, plus de vie sociale. Et en plus, il faudrait que j'arrête les réseaux sociaux. Au tout début de son audition, alors qu'elle essaye d'échapper aux larmes, elle craque finalement en sanglots. « Je n'ai plus un seul moment de tranquillité, c'est normal d'avoir envie d'en finir lorsque l'on subit un tel calvaire. » La jeune femme de 18 ans le dit, elle veut simplement exercer son droit à la liberté d'expression. Après avoir critiqué à plusieurs reprises l'islam dans des vidéos, son point de vue sur la religion en général est plutôt clair. Elle dit n'apprécier aucune religion sans pour autant avoir de haine contre ceux qui la pratiquent. Le procès de ceux qui ont menacé de mort, harcelé Mila sur Internet continue et se termine aujourd'hui. Le président du tribunal a rappelé de nombreuses fois que le cyberharcèlement, ce qui se dit anonymement sur les réseaux sociaux, n'a encore que très rarement passé la porte des tribunaux. Le magistrat en est donc convaincu, quels que soient les jugements de ces 13 prévenus, il y aura un avant et un après procès Mila. Les prévenus encourent 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende pour le harcèlement en ligne, 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende pour les menaces de mort. Et justement, qui sont ces 13 internautes jugés depuis hier ? Les prévenus entendus hier viennent de toute la France. Ce qui marque d'abord, c'est leur absence de pratiques religieuses. La plupart est d'ailleurs athées. Pourtant, ils ont bel et bien réagi par les insultes et parfois la menace aux critiques de l'islam avancées par Mila. Les bancs des prévenus sont remplis de ces jeunes hommes et femmes. Ils ont 18, 20, 21, 22 ans, quasiment l'âge de Mila en fait. Ceux entendus hier ont tous un point commun, ils n'ont pas de casier judiciaire. Et pour certains, ce premier contact avec la justice est plutôt rude. Certains baissent les yeux, se contorsionnent les mains, marmonnent au micro qu'ils ne se rappellent même plus exactement l'intitulé de leur tweet, ce qui leur vaut d'être jugés pour harcèlement et même de menaces de mort contre la jeune Mila. Deux d'entre eux sont d'ailleurs retournés vers elle pour présenter leurs excuses à la jeune femme. Ils sont jugés pour des propos assez graves, je cite « Qu'elle crève, je vais te faire une Samuel Paty ou encore tu mérites de te faire égorger ». Voilà un peu les tweets que les prévenus ont publiés. Ils se défendent d'avoir agi sous le coup de la colère, certains regrettent. D'autres estiment qu'ils ont juste voulu surfer sur une tendance Twitter. En résumé, leur but n'était pas de participer à un raid numérique.